Comment réaliser et réussir un rituel d'amour? Oui, c'est très important. Je sais que je vous en parle tout le temps et tout, mais maintenant, je vais vous dire exactement comment bien réussir votre rituel d'amour. Comment le réaliser et comment réussir à ce rituel? Pourquoi je vous le dis toujours? Mais vous venez me dire, belle si, belle ça, je ne peux pas. Mais tout de même, sachez toujours qu'il y a, ce n'est pas tout le monde qui peut réaliser un rituel parce qu'il y a l'aura de certaines personnes qui ne le permet pas. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, blablabla, le pourquoi. Alors, on se concentre sur ceci. N'oubliez pas de commander votre pack mensuel de nettoyage de sorcellerie, mauvais œil, magie noire, envoûtement, soins énergétiques, aura, purification, protection et bien d'autres. Le nettoyage se fait sur 2 jours et en 5 étapes. Bien sûr, je ne peux pas vous le dévoiler. Elle est à 50 €. Je dis bien 50 € seulement que vous pouvez le faire via PayPal que je vous laisserai ici ou dans l'info de la vidéo ou tout simplement par mon WhatsApp 0034 612 40 96 28 ou par mon adresse email contact@belleastuce.net avec votre nom complet, date d'anniversaire et signe d'horoscope. Inscrivez-vous maintenant et prenez contrôle sur votre vie. Merci, je vous attends de l'autre côté. Pour réaliser un rituel d'amour et espérer avoir des résultats concluants, il faut que vous soyez dans un état d'âme donnée. En effet, vous devrez avoir des pensées positives, savoir ce que vous désirez, vous prémunir des ingrédients nécessaires et surtout bien manipuler ces derniers pour réussir le rituel. Ça, je vous le dis toujours. Par exemple, si vous souhaitez juste passer du bon temps avec l'être visé, vous pouvez faire un rituel de séduction au lieu d'un rituel d'amour. Ce dernier comporte une certaine notion d'engagement et se réalise pour attirer et rendre amoureux une personne précise tout en recherchant une certaine durabilité dans la relation. Ces deux types de rituels nécessitent des ingrédients et réalisations différentes. Comme d'ailleurs tout type de rituel est différent. Une fois cette nuance établie, vous devrez à présent apprendre à réaliser la magie blanche. Toute magie blanche se réalise avec le concours de 4 éléments indispensables. Je vous ai toujours dit cela. Donc, ces 4 éléments, le feu, l'air, la terre, le vent. Dans l'exécution du rituel, chacun de ces éléments doit être représenté par des ingrédients bien précis. Par ailleurs, le rituel d'amour de magie blanche doit être réalisé dans un endroit propre, sain, où personne ne viendra vous déranger. Je le répète toujours 1000 fois encore et encore et encore. Et entre autres, choisis le bon moment et le moment précis pour le faire. Bien choisir le jour qui correspond de la semaine. Que ce soit la lune pleine ou autre, je précise bien, il est important de savoir. Pourquoi? Parce que ces jours influencent sur les sentiments et donc sur les résultats de votre rituel étant directement liés aux astres. Le jour favorable pour un sortilège d'amour est le vendredi. Je vous dis toujours, le vendredi, le vendredi, le vendredi, c'est le jour idéal pour les rituels d'amour. Merveilleux encore si c'est le jour de lune, qu'il est relié à Vénus, planète de la femme, de la beauté.
de l'amour. Très, très important. Toutefois, si vous ne mettez pas un peu de sérieux dans la réalisation de votre rituel, vous ne pourrez pas avoir des résultats. Elle ne va pas fonctionner. Le rendu n'y sera pas. Et venez pas vous plaindre chez Belle. Vous devez vous mettre dans la peau de l'envoûteur et penser comme lui. C'est que ce type de magie n'a aucun effet secondaire sur une personne ou sur l'envoûteur. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de personnes me posent toujours la question, Belle, quelles sont les conséquences? J'aurai ci, j'aurai ça, machin. Non. Aucun. C'est la magie blanche que je vous présente. Ok? Alors, je m'arrête ici pour aujourd'hui parce que je tenais absolument à refaire ça. Je le fais souvent dans les directs. Vous avez constaté que ces derniers temps, je ne fais pas de directs parce que je suis très, très occupée. Prenez tout en pratique ce que je vous ai donné et faites-le et vous allez obtenir les résultats. Sauf pour ceux dont leur aura ne leur permet pas de réaliser le rituel. Et pour ceux qui portent le sac au dos, comme je dis toujours, tâchez de vous débarrasser de ce sac au dos avant de faire le rituel, afin qu'elle puisse fonctionner, sinon elle ne va pas fonctionner. À bon entendeur, salut. Par le pouvoir de ce rituel, je vous souhaite une réussite totale, Belle.